We're beautiful. It's true. It's true. And you're my future wife. Oui! Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis maintenant avec mon fiancé. Bonsoir, she's mine. Aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait célébrer nos fiançailles en répondant à vos questions, mais le plus important, en décorant des cupcakes. En restant à la maison seul. Ouais, c'est ça. Vrai? Parce que t'es la seule personne que j'ai besoin. Ouais. You're all I need. Vous nous avez posé des questions sur Instagram, puis on a décidé d'y répondre. C'est vraiment concernant notre couple, concernant le mariage, concernant les fiançailles. Bref, vous allez voir, mais j'ai noté toutes les questions les plus populaires. Pourquoi? Ben... Ouais, je pense qu'ils sont super bons, mais là. Ça a du bon? Ils sont faits maison, là. On va couper sur mon temps. Hein? Pour prix? Ben voyons, ils sont faits maison. Ben, ils ont pas de meilleur, ils sont faits maison. Comme tu peux check. C'est vrai, hein? Le but, c'est pas de manger les cupcakes, c'est de les décorer. Mais il m'a rien à tout. D'accord? Fait qu'on a plein d'affaires ici vraiment cool. Oh là là, sacrément. Ça sent le bonheur. Dégueulasse! Première question. Gras et fiancé. Vas-y. Est-ce qu'on veut se marier bientôt? Vraiment? Pas vraiment. Non, mais c'est vrai, pas vraiment. Mais, on va dire la vérité. Mais on veut se marier, mais... Quand on va le sentir, qu'on va être prêt, qu'on a. Moi, je veux qu'on ait parcouru un moment ensemble, fiancé. Parce que. Excuse-moi. Moi, je vois ça comme étant les fiançailles. C'est comme la deuxième marche d'un escalier à trois étapes. Trois marches. Kimau! Puis le mariage, c'est comme la troisième, la dernière marche. C'est comme une félicitation. On est des boss, exact. On s'aime. Nous, on veut vraiment se marier quand que ça va faire plus longtemps qu'on va être ensemble. Mais tu sais, plus longtemps en même temps. 2-3 ans, 2-3-4 ans, moi je serais très à l'aise avec ça. Ouais, moi aussi. Parce que là j'ai 26, t'as 24. Ouais. Puis, mettons, j'aimerais ça au début de trentaine, c'est comme. Ouais. Tu sais qu'est-ce que je veux exactement? You're ouais. My wife. On voulait vraiment comme. Tu sais, je pense que se fiancer, ça a toujours fait partie des plans. Depuis qu'on. Tu sais, depuis qu'on s'est rencontrés à Occupation Double, on a tout le temps parlé de mariage. Mathieu, il savait que moi. Mais moi, je voulais marier. Je voulais marier la fille qui faisait triper au vrai, puis le fait que j'ai pu. J'ai eu la chance de me permettre de pouvoir passer, puis j'ai fait, hey, sais-tu? J'ai même pas de doute par rapport à ça. Je m'arrive ça. Il y a une question qui m'a été posée. Si je m'attendais que Mathieu allait me demander en mariage durant le tournage. Oui et non. Une petite merde. Mm. Bon. Oui et non, parce que le moment où on était au tournage, je m'en attendais pas parce que. Ooh. On s'en était déjà parlé avant, puis j'avais dit à Mathieu, là, est-ce que tu vas me demander en fiançailles pendant qu'on loque en amour? Parce que là, moi, je sais pas. Pourquoi t'avais peur que je fasse tête? T'avais-tu peur? Tu voulais pas je demande en fiançailles. C'est juste parce que moi j'avais peur que Mathieu me demande en fiançailles à cause d'une émission de télé. Non, mais c'est parce que... moi c'était pas ça que je voulais, tu sais. Là maintenant je suis super contente qu'il l'ait faite. Tu sais, pour vrai, je regrette absolument rien. Je comprends tellement, par contre, ta façon de voir ça. T'es comme, je veux pas qu'il demande en mariage purement pour comme la télé. Ouais, c'était ça le problème. Moi, c'était pas ça le plan, sauf que je trouvais ça incroyable de pouvoir le filmer et le vivre de cette façon-là parce qu'on a des souvenirs comme ça uniques, on a pu le vivre d'une façon vraiment qu'on n'a pas pu vivre nous-mêmes. T'sais, ils nous ont emmenés dans des places incroyables, on a rencontré du bon monde, j'étais avec ma femme que j'aime. Puis c'était fou, by the way. By the way, we had sex in that room. Coloc en amour, c'est vraiment la définition de notre amour. T'sais, je veux dire, on a été en Occupation Double. On s'est fait proposer de faire ça, puis on a juste... Mais tu vois pas que ça allait de soi? Ils ont... Les gens qui regardent ça en ce moment-là, ils ont vu leur amour comme naître à l'écran, puis que nos yeux sont cachés par comme... You're beautiful, little thing! Fait que je trouve ça cool de justement le vivre comme ça. C'est ça, ça faisait vraiment du sens, en fait. C'était un dénouement de notre relation. Moi, j'ai vraiment trouvé ça sick. C'est où est-ce qu'on aimerait se marier? Puis est-ce qu'on veut quelque chose de plus intime ou de plus big? C'est là qu'on a le désaccord. Moi, j'en non, on n'a pas le désaccord. There's a Game beast. Over. There's a beast. Moi, j'aimerais vraiment on a pas dropper le désaccord. Le chat à terre. Ok. Mais j'y ai repensé. Tu y as pensé? Ouais, j'aimerais ça que ce soit big finalement. Yes. J'aimerais que ce soit extraordinairement immense. Je voudrais qu'on y ait du monde en tabarouette. Ça va coûter 60 000$. On s'en touche. On leur va aux uns engager de Ben. Ça va être Julie qui va changer pendant... Elle va chanter pendant 6 heures de temps de suite. On veut. Moi, quand même ça. Un mariage gros, parce qu'on aimerait s'inviter une partie de la production d'Occupation Double, parce que
eux aussi, tu sais, ils ont fait partie de nos. Mais c'est tout un dénouement. De nos débuts. Plus vieux que la gang, là. Tu sais, je veux dire, c'est qui se rencontre dans une télé-réalité, qui reste ensemble, qui se fiance, tu sais, c'est quand même. C'est quand même gros là, fait que nous on veut faire ça gros, tu sais, il va sûrement avoir une émission. Ah mais que ça même pas ça, elle dit là, puis hier on a parlé. Mais c'est presque juste parce que j'ai repensé hier justement. Je suis comme oh, finalement j'aimerais ça que ça soit gros parce que j'ai trop de monde à inviter. A... Non, j'ai des amis dans la vie là. On est tous une grosse gang d'amis. Je vais pas inviter mes trois meilleurs, puis je vais comme ditch les autres. C'est fou l'insultant. C'est fou l'insultant. C'est horrible vraiment. Ouais, mais je pense que par exemple une chose pas faire que exprès, là, mais t'sais... une chose qui est importante de faire, c'est de penser à soi là. C'est comme ouh, mais tous les gens, moi j'ai l'impression surtout que surtout à son mariage. Moi là par contre, je veux un gros party parce que je veux que toutes les personnes qui vont être présentes, c'est tous des gens qui m'ont déjà fait rire ou sourire ou que j'ai des bons moments avec eux. Je veux qu'ils soient là. Je veux qu'on en vive un autre bon moment. Je veux qu'ils me voient heureux. J'ai mal au cœur. T'as déjà mal au cœur. Lève la main, c'était mal au cœur. Mais c'est où ce qu'on se marierait, mettons? Ah, je sais pas. On le sait vraiment pas, pour quelque part dans le beau, c'est que c'est cute. Il y a plein de places. Moi, j'aime me marier au Québec, là, pour être bien franc. Oh, moi, tout, j'aimerais ça me marier au Québec. Puis, ce que j'aimerais faire aussi, ça serait que, à un moment donné, 10 ans après notre mariage, on aille ensemble en voyage, puis on se marie comme en voyage dans une place exotique une deuxième fois. Je sais pas si tu comprends. Ça pourrait être cool, mais tu sais, de toute façon, faut pas au Québec, là, sinon, le 3/4 du monde peut pas venir. Ça coûte plus cher. Non, il y a place, on va louer. On loue une petite grosse auberge, une fin de semaine où c'est. Mais tu sais, c'est que. Moi, je me marierais l'été dans le bois, là. Ouais, moi tout. Mais tu sais, on va voir ça rendu là. C'est sûr qu'il va y avoir une suite à ça, anyway, là. Est-ce qu'on veut un mariage traditionnel ou un mariage moderne? Ben, dans tous les cas, faut juste que Jesus Temple il soit célébrant. Là. Sinon, c'est correct. Tellement pas. Genre, en fait. Moi, je tiens pas nécessairement à ce que ce soit traditionnel. Je suis vraiment pas quelqu'un. Traditionnel, c'est quoi, catholique, non? Ouais, je pense. Tu sais, même pas baptisé, gars. On est vraiment pas. Droit. Non, mais pour vrai, moi, puis Matt, on est vraiment pas dans la religion, là. Je veux dire, on est pas. Moi, je me considère comme étant athée. Ouais, je respecte les valeurs qui sont vécues là-dedans. Ah, moi aussi, complètement. À chacun sa religion. C'est juste que je pense que Matt et moi, on veut juste plus faire ça comme un gros party avec nos amis, de ben, dire « Hey! » C'est sûr que c'est cool si c'est prêtre Jean-Paul qui nous marie, là. Non, on va se trouver un prêtre. Les gars avec plus de cheveux. Ça sert à quoi d'avoir un prêtre si on n'est pas croyant? Avec t'sais. Plus de... Ben, c'est juste pour rendre ça officiel, tu sais. Ouais, mais tu sais, je pense qu'on n'a pas besoin mais nous, de rendre ça officiel avec un prêtre. Mais oui, j'ai pas beaucoup de... J'aimerais pas ça me marier dans l'église, j'aimerais ça me marier... À la place, j'ai choisi de me marier parce que c'est beau, c'est accueillant, c'est festif. Oh! Mario, t'es pas obligé de manger toutes les muffins que tu décores. Est-ce qu'on a comme projet d'avoir des enfants? Pas d'un projet actuel. Non, pas actuellement, malheureusement. Ah, moi, je veux des animaux. On veut énormément d'animaux, moi, puis ma. Au moment où ça va sortir, ça, d'ici 3 semaines, 1 mois, on va avoir. Un nouvel être dans notre vie. On va accueillir la belle Louise, un petit berger australien peu race. On était vraiment contents, moi, puis Matt. Ben, t'étais pas. J'ai dit oui. J'ai donné le dépôt à madame, 400$. Mais elle me l'avait même pas dit avant. Même... T'as adopté un chien? J'étais même. Mais gars, on habite dans un appartement. Ouais. Moi, je capotais. Go. Le moment, mettons, qu'on va l'avoir, le chien va avoir comme 2 mois max. Puis d'ici cet été, il va avoir grandi, mais il va pas être maximum 16. Mm. On va déménager, ça va être parfait. Ouais, c'est ça. Bon. Puis justement, parlant de ça. Today's a good day. Today is a good day. Tu me dis tout le temps que je te coupe, mais toi aussi tu me coupes tout le temps à tabarnak. Ben, c'est pas intéressant ce que tu dis. Hey, pas trop, Festi. Ok. Il y a des gens justement qui nous ont demandé. Ça, bon. Il y a des gens qui nous ont demandé si c'était dans nos plans de s'acheter une maison. Ah ouais? Ouais. Ben pas nécessairement là. Moi j'aime bien Montréal, malgré c'est juste la pandémie me cancelle mon plaisir, mais j'adore Montréal. Mais c'est surtout le fait que notre travail présentement ça se passe à Montréal. Ouais, faut tout être ici, faut tout le temps se promener dans le coin puis. Moi je viens de Romainville. J'aimerais ça habiter. Je viens de la Beauce. J'aimerais pas ça habiter en Beauce. J'aimerais ça habiter en Montréal puis Drummondville. Ouais, moi ça m'irait. Je voudrais pas habiter à Drummondville parce que si mettons un jour je viens qu'à faire de la télé. Comme plus sérieusement, ben c'est comme en ce moment, on fait de la télé pour Colocan. Si je vais peut-être Drummond, je veux avoir une place au bord de l'eau. Parce qu'à Drummond, il y a plusieurs rivières, puis c'est magnifique pour faire du boat l'été. Moi, je vais peut-être au bord de l'eau, ben être bien. C'est ça. En bateau avec mes chums. Faut pas que je sois. Et avec ta wife. Of course. Ma wife, c'est bronzer les tits au soleil.
Bon, évidemment. Si on avait à décrire notre couple en un mot. Amour. Je suis pas d'accord. Amour, complicité. Passion. C'est meilleur complicité que passion. Ouais. On est vraiment très complices, moi puis Matt. Au début, quand on a commencé à sortir ensemble, on était beaucoup intense. Maintenant, c'est quand même calmé. Mais tu sais, on reste intense dans nos émotions, mais ça reste que notre couple en tant que tel n'est pas intense. Je sais pas. Sais-tu comment, qu'est-ce que je veux dire? Oui, on vit nos émotions intensément, mais on n'est pas tout le temps en train de crier, puis être ensemble, puis être comme... T'sais, on n'est pas non plus. Je t'aime! Non, c'est ça. Ok, my love, là, on est rendu à la section où ce que on décore un cupcake, on va le montrer à l'écran, puis les gens vont devoir voter pour le cupcake le mieux décoré. D'accord? Ok. Ok? Hey! Non! Ben, j'ai mangé l'autre. Ben oui, mais il y en a plein d'autres aussi. J'ai pas été aujourd'hui. J'ai dit à quel point, pour certains, ça peut paraître vite, un an et demi, on se fiance. Mais tiens, moi, la façon que je vois, c'est que j'ai tellement pas de doute par rapport à toi puis moi. Parce qu'on a tellement évolué en un an et demi, justement. Mm-hmm. On est vraiment plus les mêmes personnes quand on s'est rencontrés au début. Quand on s'est rencontrés, les deux, on était vraiment, vraiment trop excités par le fait d'être en amour. C'est vrai. Puis t'étais full anxieuse. Mm-hmm. Moi, j'avais de la misère à me placer. J'étais moins bon pour parler de mes émotions avec toi, puis comment je me sentais, puis qu'est-ce que je demandais de toi, puis qu'est-ce que je veux t'offrir, tu sais. Mm-hmm. Puis je trouve que tu m'as beaucoup aidé à mieux me connaître. Puis je trouve que depuis la dernière année, spécialement, tu t'as vraiment beaucoup évolué comme personne. T'es rendu vraiment plus quelqu'un d'accompli puis qui se fait confiance. Puis ça me faisait pas au début. J'étais comme, je sais pas si je peux vivre avec quelqu'un qui est constamment en train d'être en terreur intérieure. Et puis là, à ce temps, t'es vraiment plus comme ça. Puis je sais que tu fais beaucoup d'efforts pour te faire du bien. Ben c'est plus tant des efforts dans le sens que... Puis tu fais des efforts pour te faire du bien. Tu comprends qu'est-ce qui peut t'aider. Mm. Puis tu fais en sorte que tu le vives de cette façon-là. Puis c'est beau à voir. Oui, mais en même temps, Maya, ça c'est grâce à toi parce que... Souvent, j'essaie d'expliquer aux gens, les gens me demandent comment t'as fait pour arrêter d'être insécure, mettons. J'ai pas arrêté. L'affaire, c'est que Mathieu, ça fait un an et demi que je sors avec. Puis moi, j'y avais dit au début de la relation, s'il te plaît, attends, tu vas voir, je vais plus être insécure. Parce que je me connais, plus j'apprends à connaître quelqu'un, plus on devient complice, plus on devient meilleur ami. Moi, c'est de même que je bâtis ma confiance. Puis Mathieu, maintenant, il a ma confiance à 150 000%. Mathieu, il m'a prouvé que je pouvais y avoir confiance en lui, mais aussi que les deux m'ont fité puis que c'était zéro à notre avantage de se faire du mal de toute façon. Ben là, on n'avait pas besoin. Tu sais, ça prend un bout d'aclos avant de comprendre que moi, je vais être avec elle pour vrai, tu sais. Ouais, parce que... Mais oui, parce que... Ben c'est juste parce que... J'ai vécu des blessures dans le passé qui ont fait en sorte que... Et moi, j'étais tanné, j'étais là, Claude, c'était vidache! T'es vidache, je t'aime! Non, mais Mathieu est en crise, pour vrai. Je sais, c'est quoi tu veux de plus? Je capotais. Il était comme, c'est sûr qu'elle niaise. Tu peux pas voir que je t'aime! Vraiment, sérieux. Je trouvais ça ridicule, j'étais comme, coulon, pourquoi tu te mets toi-même des... Tu te mettais toi, tu t'es baissé que tu te fais planter toi-même en prenant des bâtons. Je pense que l'affaire quand t'es insécure, c'est que... Tu crois jamais à ce que tu vois. Non, t'as peur d'être blessé. Puis moi, justement, cette peur-là aurait pu, ben là, nuire à notre couple, dans le sens que dans les débuts, c'était excessivement difficile. On se payait tout le temps pour des niaiseries, on était comme, ben ouais, il me semble que c'est évident, tu sais. Ouais, pour vrai, vraiment, au début, c'était vraiment pas drôle, on se chicanait sans arrêt. On n'a jamais pensé se laisser, vraiment. On se chicanait, on était comme... Justement, ça, c'était une autre question. Je me chicanais, puis moi, quand je me chicane... Je veux juste que tout arrête, que je me sauve, je prends 5 minutes. Ah, ça, j'aime pas ça de. Mais tu sais, ben c'est correct maintenant. Vaut mieux ça que de se gueuler par la tête, de se lancer des chaises. Maintenant, je suis rendue que ça me dérange pas. Au début, Mathieu, quand il fuyait, j'avais peur. J'étais comme, ça veut dire qu'elle viendra pas. C'est pas la fuite, j'avais besoin d'une petite 5 minutes pour aller. Ça, je le savais. Pour aller me calmer, parce que je trouvais. Des fois, ça fait aucun sens, puis quand je comprends pas, ça me fâche. Je suis comme, ah, pourquoi? Ouais, non, je comprends, tu sais. Il y a des gens qui m'ont demandé ma robe allait ressembler à quoi. Tu veux le penser à ça? Oui. Non, mais pour vrai, c'est que je sais ce qui me va bien. Puis moi, j'aime pas ça. Ça va être soit que mes épaules vont être à découvert, comme une camisole qui va descendre, décolleté comme ça ici, vraiment serré sur moi, avec une fente comme à la jambe. À la Angelina Jolie. Mais je veux que ma robe, elle soit simple. Tu sais, j'en parle. Je veux juste que ce soit une petite robe blanche, simple, un petit peu brillant. Blanche? On a dit qu'on se mariait en noir. Fait qu'en tout cas, ma robe va ressembler à ça probablement. Mais tu sais, encore là,
qu'est-ce qui me dit que je vais encore avoir le corps que j'ai présentement pour la porter? Le merveilleux body. Ah oui, hein? Il y a quelqu'un qui nous a demandé, comment avez-vous su que vous étiez prêt? À un moment donné, là, dans la vie, là, faut pas tout le temps t'attendre que tu sois prêt. Des fois, oh, okay, tellement. Essaye-toi, là. Parce que si t'attends à être prêt, là, t'attends que Dieu te lance une roche par la tête. Hé, hey, grand, vas-y! Tu vas jamais rien foutre. Ou du moins, tu vas faire à peu près 50% moins de projets de tout genre, parce que tu vas te choquer tout le temps parce que t'es moumoun. Faut que tu y ailles. T'as pas le choix. Lance-toi. Si t'es pas prêt, bon, moi, tu le sauras après. C'est pas grave. Mais non! Non, mais. C'est bon, pareil, comme mentalité. C'est juste que faut je pense que. Faut que tu y ailles. Faut que tu y ailles. J'ai 5 fois que j'étais prêt. Je l'aimais, ma petite. Ma petite. Je l'ai lancé en fiançailles. Moi, j'étais-tu prêt? J'étais pas prêt. J'ai pas attendu de signe. Je l'ai fait. Et elle a dit oui. Fait que, I guess we were ready. À la seconde où je l'ai rencontré à Occupation Double, Mathieu, j'avais envie de me marier avec. Comment avez-vous su que c'était le bon et la bonne? En fond, comment moi j'ai su que Mathieu c'était le bon? Je pense que c'est quelque chose que tu ressens à l'intérieur de toi. Aussitôt que j'ai rencontré Mathieu, j'ai eu un coup de foudre pour lui, puis dans ma tête, c'était clair que je voulais le marier. C'était clair que je voulais que ce soit l'homme de ma vie. Il me fait sentir comme personne m'a jamais fait sentir. Non mais c'est vrai, mon cœur il est gros en sa présence, il me fait sourire, il me fait sentir bien, il est beau comme un petit cœur. Tu peux pas savoir si c'est le bon ou la bonne parce que c'est quelque chose qui se ressent, c'est pas quelque chose qui se voit. Moi puis Mathieu, moi je le ressens tout simplement que c'est le bon. Moi je me vois encore avec lui à 55. Oh my god! Je me vois encore avec lui à 55 ans, en train d'être toute ratatinée. Pis que Matt. C'était du temps pour 55. Vide... Non, mais excuse. Que Matt me vide ma couche quand je vais être plus vieille. À 55 ans. À 55 ans, ça va être l'heure de la couche. La couche 55. Toi, my love, comment t'as su que j'étais la bonne? Tu le sais, hein, avec le temps, que tu prouves jour après jour que justement t'es spécial, tu sais. Parce que tu m'as souvent aidé à maturer d'une façon vraiment unique. J'ai jamais eu ce point de vue-là, mettons, d'une fille que je considérais plus que juste une bonne amie, mettons. Tu sais, j'ai eu des blondes, mais je me rends compte qu'avec le temps, c'était vraiment pas des filles qui se comparaient à toi, tu sais. Ce qu'on a ensemble, c'est vraiment unique, puis c'est justement une des façons de pouvoir savoir que you're the one. On se complète bien. Je pense qu'en fait... Mais tu m'apportes beaucoup de bonheur, maintenant. Tu m'as beaucoup aidé à maturer. Mm. J'ai beaucoup d'amis depuis qu'on s'est fiancés qui ont dit « Wow, tu as beaucoup changé pour le mieux. » Wink. Je pense juste qu'on fait ressortir le meilleur de l'un puis de l'autre. C'est ça qui est le fun, c'est avec Matt. Moi, je pense que je fais ressortir ses meilleurs côtés, puis lui, il fait sortir les meilleurs de moi. Oui, madame. Guys, votez. Est-ce que vous votez pour le mien? C'est trop éclairé, peut-être. Whoop! Oh, on dirait que le sien est plus beau à l'écran. Yeah, boy! Toutes les boules, ils revolent. Votez pour lui, guys. C'est correct, votez pour mon chum, c'est le meilleur. Ah, ça serait-tu noble de dire, votez pour ma blonde, c'est le meilleur? Mais non, votez pour moi. Je t'aime. Je t'aime, I'm gonna win this shit. Est-ce que votre mariage sera filmé et accessible au grand public ou vous allez garder ça plus intime? C'est sûr, ça va être filmé. Ben, mettons, filmé pour la télévision ou filmé intime, mettons? C'est sûr que moi, je le veux sur caméra. Là. Je veux voir notre mariage. Là. Pourquoi pas? Notre premier amour, c'est justement développé à la caméra. Ce serait fou que l'espèce de chou sur le cadeau soit aussi filmé. Moi, je trouverais ça cool. On aime vraiment ça, je pense, moi puis Mathieu. Puis ce que j'ai aimé le plus d'OD, c'était de pouvoir revoir mes beaux moments avec Matt. Fait que c'est sûr que je veux que ce soit filmé. Puis c'est sûr que vous faites comme partie de notre famille. Veux pas parce que vous nous avez vu grandir en tant que couple. Tu sais, entre guillemets, fait qu'on veut vous montrer. Entre guillemets, on vous doit un peu l'espèce de succès que tout ce qu'on peut créer fonctionne parce que vous êtes tout le temps fidèles au poste. Puis les gens qui regardent ça en ce moment. Immense bravo, immense merci, puis inquiétez-vous pas là, colloque marié va aussi On n'est pas encore rendu là, mais... On s'en fout, ben oui, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui ont demandé d'où venait la bague. Je vais la montrer. Oh mon Dieu, elle est incroyable. Elle vient de la bijouterie LSM. C'est un vrai diamant pur de haute qualité. Ça a coûté... mettons pas un bras, mais une main. Je vous garantis que la bague de mariage va être une Carly's de Garner. Puis moi, ma bague, c'est quoi? J'en ai pas, je suis garçon. C'est ça. Ben, dans le fond, il y en a beaucoup qui ont demandé justement si t'allais avoir une bague. Puis c'est sûr que moi, j'aimerais ça. Des montres de fiançailles. Ça serait sick, ça. Ouais. Ça se fait-tu, ça, des montres de fiançailles? Il y a des montres. On peut tout faire, on crée LSM. Nos propres règles. Chez LSM, il y a des montres. C'est vrai? Je vais penser à toi, ma gueule. À quel moment c'est devenu plus sérieux entre nous?
Honnêtement, dans ma tête à moi, ben, t'sais, dans ma tête à moi, ça a tout le temps été plus sérieux. Mais on a toujours essayé de faire marcher ça, jusqu'en ce moment, ça va super bien. Puis vu qu'on se comprend mieux que v'là 6 mois, qu'on se comprend mieux aujourd'hui que v'là 1 mois, c'est toujours aussi sérieux. C'est de plus en plus sérieux. Mais j'ai l'impression que, mettons, c'est comme si on était dans une descente du Mont Everest, une piste de ski immense, qui est la vie. Puis que plus on descend, moins il y a d'arbres. Mais le départ est vraiment. Il y a beaucoup de roches, il y a des arbres partout, puis il faut tout le temps. Là, plus le temps passe, là, j'imagine en 20 ans, à l'époque, on va dire. Je vais faire Claude, et on va faire, je sais quoi tu parles. Déjà, je le sais. Ouais. On a beaucoup de télépathie, ouais, moi, comme, puis Matt. Hey Claude, tu dis ça. Ouais. Ouais. On est vraiment connectés ensemble, pour vrai. En 20 ans, on va être bon. Ouais. Que j'imagine que, déjà là, il y a quasiment plus d'arbres dans le chemin. Tu sais, déjà, t'sais, on a beaucoup les valeurs semblables, fait que c'est facile de se comprendre là-dessus. Mais quand on s'est rencontrés, là, moi, je voulais que ce soit sérieux. Puis ce qui a fait en sorte que c'est devenu sérieux, c'est qu'au début, on s'est adapté l'un à l'autre, on a su faire des compromis. Ça pourrait être ça la réponse. Quand est-ce qu'on a su que c'était sérieux après une semaine d'être ensemble? Ouais. On était comme, sais-tu, je vais m'essayer pour vrai avec elle. On voulait s'essayer ensemble, puis c'est ce qu'on a fait, on s'est donné la chance de vivre notre amour. On allait se dévoiler de rien important. Puis c'est ça le truc, faut que tu te dévoiles. Tu peux pas créer une belle relation avec quelqu'un si toi-même tu te laisses pas aller à 1000% dedans. Mm-hmm. Donc, vraiment depuis le début, en fond. C'est vrai. Si Coloc en amont n'existait pas, est-ce que tu m'aurais quand même demandé en fiançailles? C'est sûr, t'aurais été cette année, boy. Sincèrement, là. Parce que là, ça faisait un bon mois avant de le faire que j'y avais déjà pensé. Puis c'était moi qui avais écrit à l'éditeur JP par rapport à ça. Puis eux, ils ont fait en sorte que justement. Ça se passe. Lui, c'est comme, that's it. Parce que moi, je trouvais ça vraiment fou, comme juste l'occasion de l'avoir filmé. Puis justement, d'un beau moment de même, je trouvais ça fort. Parce que toute l'équipe de Coloc en amont aussi, on est vraiment proche d'eux. Donc, moi, je trouvais ça incroyable pour le vivre, filmer, mais de cette façon-là, tu sais. Mm-hmm. Parce que c'était vraiment une équipe unique qui est spéciale pour nous. Chaque membre de l'équipe, c'est le fun de vivre ça avec eux. Fait que je suis vraiment content d'avoir fait comme ça. Tu m'aurais demandé en fiançailles quand même. Ouais. C'était ta question, ça? C'était ma question. Non, vraiment pas, pour vrai. Est-ce que je vais prendre le nom de famille à Matt? Non. Je pense pas, pour vrai. Mademoiselle Pellerin, ça va être dans le joke, je pense. Je veux dire, ouais, je pense que Mademoiselle Pellerin, ça va être vraiment plus quelque chose que je vais... Quand je vais me sentir fancy, je vais être comme Claudie Pellerin. Non, mais faut que tu utilises quand ça te tente. T'es comme, une réservation pour Claudie Pellerin. Oui, merci. C'est mon resto, c'était au Saint-Hubert. Ouais, mais je vois pas l'intérêt de prendre le nom de famille de mon chum. Je veux dire, moi je vais garder le mien, puis il va garder le sien. Tu restes toi, là, tu sais. Moi je garderais mon nom si j'étais le femme, là. Tu serais comme, ben non, je m'appelle Claudie Mercier, puis je garde mon nom. Mais c'est quand même cute de se dire que je suis comme Mademoiselle Pellerin. Tu peux être Mademoiselle Pellerin à l'occasion quand c'est drôle. Ouais, c'est ça. Nos parents, ils ont réagi comment? Vraiment de façon bienveillante. Ils ont fait. Ah, oh, parfait, vous êtes en fiançailles, parfait, on est content pour vous. Ouais. Ça allait, tu vois, pour eux, parce que si je peux parler pour mes parents, Claudie, c'est vraiment une fille spéciale pour eux, puis ils sont contents de l'avoir en famille. Fait que eux étaient comme, arrête donc, on l'aime bien, tu vas garder, cachetier, parfait. Ouais, les parents de Matt étaient super contents, mes parents aussi étaient super heureux pour moi, puis ils aiment vraiment Mathieu, puis ils savent que je l'aime beaucoup aussi, puis. C'est tout ce qui compte dans le fond. Fait que nos parents, ils ont super bien réagi là. Mais son père, dans le Coloc en amour, on l'a appelé on the spot, pis là, c'est comme si j'ai pleuré dans les bras. La dernière question, my love. Est-ce que t'avais peur que je dise non? Non. Non? T'es sûre? Parce que tu m'as dit que t'étais un peu stressée, que. Non, mais j'étais juste nerveux du moment. C'est la première fois que je faisais ça, mine de rien. Je vais être à genoux pour faire. On a tué ma femme, non, là, t'es là. Ah, c'est vrai que c'était un beau moment, mais là, je suis contente. Pour vrai, on est vraiment contents, moi et Matt, d'être fiancés, puis tellement contente qu'il ait fait dans Coloc en amont parce que c'est quelque chose qui nous appartient à nous deux. Tu sais, s'il avait fait ça sur le mont, je sais pas quoi, là, sur un mont quelconque. Sur Mont-Royal. Tu sais, ce mont-là, là, il nous appartient pas, tandis que Coloc en amont, c'est notre émission, c'est à nous. Oh non, je suis déjà. Oh mon dieu, je suis toute sale! Colin, je suis ouf! C'est pas grave! Merci d'avoir écouté la vidéo, gang! Puis ben, je voulais vous dire merci pour tous vos beaux mots. Il y en a tellement qui nous ont dit. Félicitations, on est vraiment contents! Et vous avez pas idée à quel point vous êtes hot, là. On apprécie chaque message, c'est vraiment fou. On essaie de répondre à tout le monde, mais. C'est impossible! Fait que ben, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Puis ben, on va se revoir dans une autre vidéo. Avec mon fiancé la prochaine fois. Parce que là, maintenant, c'est rendu mon fiancé. Oh, non, là, t'aimes! Pretty much!